Eh bien, salut à tous, c'est Quantique85, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu spécial parce que par rapport à d'habitude, là ça va pas être un gameplay comme d'habitude. Ça fait beaucoup d'habitude ça. On va aller jouer à Pokémon Go, mais pas n'importe où, on va aller se déplacer sur Nantes. Pour ceux qui connaissent, on va aller du côté des machines de Nantes. Il y a pas mal de Pokéstop là-bas et il y a de quoi de faire beaucoup, 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 beaucoup de Magikarp. Donc on va aller faire un petit tour. Je vais vous faire voir déjà ce que j'ai parce que depuis la dernière vidéo, la première de toute façon, ça a beaucoup évolué. J'ai beaucoup de choses beaucoup de nouvelles choses. Donc voilà, nous voilà ici sur mon téléphone. Oui, je suis désolé, je vais pas encore utiliser une image de capture. Je vais filmer comme ça. Parce que du coup c'est plus simple pour moi et c'est beaucoup beaucoup de montage sinon et en plus j'ai pas un iPhone assez puissant pour garder je veux dire en mémoire j'ai que 16 Go donc ça va être vite saturé donc je vais pas pouvoir utiliser un logiciel tierce. Donc déjà depuis le dernier épisode j'étais niveau 7 ou 8 je crois quand j'avais fait la vidéo, du coup je suis 25 et je viens tout juste de le passer comme vous pouvez le voir. J'ai que 975 XP de passer, je l'ai passé hier soir pour tout vous dire. J'ai le petit Caninos en guise de compagnon. Et surtout, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout ça, c'est surtout les Pokémon. Bon, j'ai déjà deux Léviators, mais les deux Léviators, les numéros que vous voyez derrière, c'est leur IV, je les calcule. Ils ont Morsure et Ouragan, en fait, c'est de la merde, en fait, tout simplement. Ils n'arrivent pas à bien attaquer et tout, c'est tous les deux les mêmes. Donc du coup, le truc qu'il faut, que je voudrais bien avoir, c'est un nouveau petit Léviator. Donc on va aller faire ça tantôt, tranquillement. Et le soir on ira finir ça un peu à la mer. J'ai un petit Magikarp là pour l'instant de 148 qui est à 85% qui pourrait peut-être faire l'affaire. On verra bien ce que ça va donner. Je vais peut-être choper un nouveau Magikarp derrière. Il faudrait que je calcule avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà mon top de classement. Vous avez Arcanin, un Acolyte 2000. J'en ai deux à 2000. Tout frais de 2000 d'hier soir celui-là. Je viens tout juste de le passer. Et ben voilà quoi, tout simplement. On va aller voir ça, on va aller faire cette petite journée tous ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, on va faire cette petite journée ensemble. Il est actuellement 9h moins le quart, enfin allez, 8h47. On va aller partir vers Nantes et puis on va aller faire cette petite journée. J'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Devilib. Les pêcheurs là-bas, les dieux. Adieu, ça mort. Ça mort. Ça mort. On les voit même pas les pêcheurs. Ah si, là-bas. Les pêcheurs. Ça mort. Oh, ça mort. Eh, oh. Eh, ça mort. Si on le voit. Bon, du coup, nous voilà arrivés sur Nantes. Hein. Je pense que vous l'avez vu. Hein. Bon, on a allumé Pokémon. Putain, j'espère que enfin, ça se voit pas beaucoup. Ça va être à la rage. C'est un peu le bordel. Ouais, ça fait chier ma GoPro. Elle a plus de mémoire. J'aurais dû la vider avant de. Quel couillon. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, on est un peu. Bah du coup c'est un peu c'est bien c'est pas mal parce que du coup je vois un peu ce que je fais parce que sur la GoPro il y a pas de sur la mienne il y a pas de d'écran sinon ça va tu répètes pas toujours un peu donc, du coup on va aller marcher un peu sur le il y a encore un peu on va aller marcher sur pour aller aux machines de Lille là on va prendre un peu les Pokéstop voilà c'est trop la rage je pense que ce sera plus ce soir que on verra mieux les choses. Oui, ce soir, de toute façon, on fera une bonne film ce soir pour bien voir, parce que là, c'est le bordel avec les écrans. Ouais, c'est le bordel, là, avec le soleil et tout. On prend le soleil, ouais, c'est ça. Donc là-bas, il y a les anneaux de Nantes. Mise au point, s'il te plaît. Mise au point, merci. Je filmerai ça un peu plus tout à l'heure. C'est haut, bordel. C'est haut. Ah. Oh Dieu. Oh Dieu. À boire. C'est pas moi, je vous jure. C'est pas moi, je vous jure. Ah, c'est horrible. Ouais, moi, je pense qu'on verra mieux ça ce soir. Ouais. C'est le bordel pour filmer. J'ai pas mis trop de luminosité pour un maximum de batterie, mais. Du coup, ouais, les anneaux, c'est. Ah, c'est ça, tous les bars. Puis le soir, ça s'illumine. Hein le... Ouais, il y a plein de barres là sur le côté. Et
Le soir, ça s'illumine, c'est assez sympa. T'as un spot trop cool. Enfin, c'est plus des mouettes, mais c'est pas grave. Ah, c'est des goélises. Des goélises. C'est des goélises. C'est des spots à goélises. C'est quoi déjà après? Ah oui, c'est l'équipement après. En plus, là-bas, il y a un bateau de guerre là-bas. Attention, faut pas faire les cons, les gars. In the Navy. Tu vois ici, si tu sautes sans parachute comme le gars qui a fait, comme le toit, tu sais, puis tu te rates et tu t'atterris là-dessus, ben mon gars, tu finis en brochette. Ah, si je vole les brochettes. Tu finis pas bien. On te récupère la petite cuillère. Donc voilà, c'est ici qu'on va se mettre. Ça, c'est les machines de Nantes. Le carrousel qui est là, juste ici. Et puis y a des Pokéstop ici. Il y a, putain, ça se voit pas. Il y a rien. Il y a 3 Pokéstop, mais normalement il y a des leurres. Il y a que des leurres. Normalement on va replomber pas mal de Magikarp. On verra ça. Ouais. On verra. On va se poser, puis on va voir ça. Bon, bah du coup on revient un peu. On a fait. Mais regarde, putain, tu vois, hein, tu vois tes conneries là, à me faire chier. Bref. On est revenu un peu là où on s'était garé parce qu'on a juste mangé. On a mangé un peu tard parce que là il est actuellement 14h04. On n'a pas eu grand chose, on a posé juste un leurre. Ouais. Cher Croc a posé un leurre. On n'a pas eu grand chose, juste un petit Magikarp de 156. Du coup, pour Léviator, s'il est bon, il faudra que je le calcule. Ça peut être un bon Léviator de 1005-1006, donc 1006-1007 même, je dirais. Donc, on va aller retourner ce tantôt, voir s'il y a plus de leurres que ça, parce que là, il y a vraiment que dalle. On est obligé d'en poser un, donc pour vous dire. Donc voilà, mais je pense que c'est plus ce soir que vous aurez plus de contenu, parce que là, vous aurez pas grand-chose. Donc voilà, on se retrouve ce soir ou tout à l'heure, enfin je sais pas, on verra bien. Ce soir, tout. Je pense que ce sera plus ce soir, mais peut-être que je vous tournerai un peu de vidéo... de ce soir, et ça commence à être lourd, la caméra au bout de bras. Donc je vous laisse. Bon ben voilà, hein, nous sommes aux 3 l'heure, c'est nickel. On a mis 4 parce qu'il y en a peut-être un quatrième qui va arriver ici. Là je vois qu'il y a un psychopathe qui vient tout juste de spawn. Hop, le petit psychopathe. Attends, je vais essayer. Attends, c'est chaud parce que en plus il faut que je regarde. Oh, 690. 690. Attendez, ça va être chaud. Ça va être la capture la plus chaude que j'aurai à faire. Il y en a quoi qui a spawn. Il y en a quoi. 1003. Oh la salope. Attendez. 1003. Oh, j'ai réussi. On a quoi quoi. Oh, 1046. Attends, moi je sais pas, il faut que je regarde. Allez, oh, le vent. Il y a du vent. C'est bon, il est dans la boîte. Ouais, ben moi je suis à 91. Hein. Ah, je sais pas. Il l'a pas. Il est séparé, moi. Non, on va le garder. La quoi qu'il est là. 1300. Attention. 650. Ils sont sérieux. Attention. Et il l'a. En espérant qu'il soit bon. 1300, j'espère bien. Parce que... Moi, j'ai toujours. J'espère pour toi. Regarde. Hydrocanon pistolet à eau. Oh la salope. Il a hydrocanon et pistolet à eau dessus. Ouais, j'ai eu. Moi. C'est bon. C'est combien de bonbons à chaque fois qu'on a puté, hein. 3. 4. 3, puis c'est un cap. Moi, je le transfère parce que du coup, j'en ai pas besoin. On prend un Magikarp au total pour avoir un. On va prendre le Pokéstop. Donc du coup voilà, je vous reprendrai plus tard si des fois il y a des bons trucs qui spawnent. Il est vraiment énorme. Et ça fait quoi en mètre de haut? Ça fait bien 10 mètres cette merde. Ah, ça fait ouais, peut-être pas 10 mètres, mais je dirais bien un bon... Ah si, peut-être 10 mètres. 10 mètres quand même. 10 mètres de haut. Regarde les deux types qui sont au balcon là. Attention là mon gars. Elles en ont pris plein dans la gueule là. Là moi j'ai un arbre qui fait chier. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it in life, in school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Cause it's cold outside and I don't know why. I'm just living my life.
Bon, bah, du coup, j'ai oublié de vous faire une petite vidéo pour dire qu'on a fini de chasser. Donc, du coup, la chasse était assez bonne. Je vais vous faire ça. Donc, c'est vrai. Ouh, mise au point. On a pas mal de petits coquacs, des beaux petits coquacs même. Pas mal de magicards. J'ai fait un bail, je suis en train de faire ma vidéo. Attends, mise au point. Mise au point, s'il te plaît. Merci. Merci. T'as dit ta gueule. Je t'emmerde. Voilà, comme ça, t'es sûr. On a chopé des beaux magicards, dont celui-là. On va bien voir si c'est zoom ça. Et on a tout ce qu'il faut, en fait. On a tous notre quota de bonbons. Comme vous pouvez le voir, moi, j'en ai 490. Mise au point. Merci. Voilà. Donc, 490, on va avoir assez de bonbons pour pouvoir faire tout ça. Et on vous fera faire... On va aller se mettre directement à la plage. Là, on s'est fait un petit arrêt sur Pornic. C'est assez sympa. Ouais, on va aller sur la plage. Et puis, du coup, on s'en retrouve là-bas. À tout de suite. Bah Dieu, il y a un beau poisson là. Ça c'est quoi? C'est un Magikarp? C'est quoi? Un Léviator. Putain, il y a du monde les gens là. Hein. Voilà, nous sommes arrivés. Voilà, c'est voilà. On a plus que nous, on va manger un petit peu. Et puis après, on ira faire. Ta gueule, t'as que ton sandwich, toi. On ira chasser les Pokémon par là-bas. On ira se promener. On essaiera de voir qu'est-ce qu'il va y avoir. J'espère qu'il y aura des bonnes choses. Ouais, donc voilà, nous, on va manger. Et puis on vous retrouve après. Eh ben, non, de là, on a même à peine commencé. On a même pas fini de manger. Que tout de suite, on a un mini Draco. Ça commence bien. C'est pas mal. Nickel. Nickel. Bon, du coup, on finit de manger, puis on va aller essayer de se balader. Putain, la vache, c'est un peu sombre. On va falloir essayer de monter un peu en iso. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Donc, alors, on va faire le moment tant attendu. On va tous évoluer tous nos Magikarp en même temps. 147. Là, c'est 142, c'est ça. Ici, 114. Et là, 141. Donc, vous êtes prêts? Attendez. Et puis, sur faire évoluer. Êtes tous prêts? Attention, 1, 2, 3. Ah le bordel. C'est énorme. Par contre, il y en a que moi, on voit moins que... On voit plus que les autres. Parce que mon luminosité doit être plus grande. Yes. Voilà, tous des Léviators. Léviators, Léviators, Léviators partout. C'est génial. Voilà, il y en a qui ne l'avaient pas au Pokédex. 1700, pas mal. 1601, 1268, 1600, 1200, et pour finir, 1600 aussi. Bah nickel, voilà. Bon, par contre, il y a un truc qui me fait chier, c'est ça, c'est que c'est morsure et Dracosouf. S'il te plaît, mise au point. Voilà, bon, on voit à peu près, c'est Dracochoc. Et du coup, c'est mon troisième Léviator. Je voulais. C'est mon troisième Léviator, c'est le troisième qui essaie de la merde. Bon, c'est moins merdique que les deux premiers avec l'ouragan, mais bon, c'est toujours ça. On va t'essayer par là, peut-être qu'il y aura des Pokémon derrière, peut-être. On sait jamais. Oh, bah, qu'est-ce que. C'est quoi ce Pokémon? Oh, un zinzin. Un zinzin sauvage. Un zinzin sauvage. Oh, ça fait mal aux yeux. Oh, le soleil vient de se lever. C'est les petits déjeuners. Ouais. Donc en fait, voilà, il était pas là la journée, mais du coup, il nous a rejoint rien que pour ce soir. En fait, là, il commence vraiment à faire noir. En fait, moi, je rejoins quand il fait nuit. Ouais, il est 20h34. J'aime bien chasser les Pokémon en nocturne. Putain, on fait ouf les bouilles comme ça. Là. Bon, la mer commence tout juste à être là. On sait pas. Putain, il commence vraiment à faire noir. Pourtant, il fait que 20h38. Il commence vraiment à faire noir. C'est casse-couille quand c'est en automne comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois un zinzin là-bas. Je saute tel un cheval. Quel couillon. Ça c'est zinzin l'état sauvage. Hein. Faut pas... On va aller tester ça, voir si l'eau est froide. Non, elle est bonne. Eh, franchement. Mon gars, il y a moyen. Hein. Bah, y a trop moyen, sérieux. Regarde, tu mets une bière. Bravo.
Elle sera fraîche. Quel couillon. Bon bah du coup nous on va peut-être aller se mettre en route pour aller chasser. On va aller mettre un petit pas tout de suite. Bon, on a encore un peu de temps pour vous raconter de la merde alors. On va mettre les panards dans l'eau. D'accord. Les panards. Bon, j'espère qu'il y aura assez de luminosité pour faire le reste de la vidéo. Il y a peut-être de la vache, et nous on va aller tout là-bas. Tout là-bas. Je sens que ça va être dégueulasse. Tout là-bas, tout là-bas. Ah, là-bas. Range ta bière, nom de là. Donc on est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit encens pour marcher au bord de la mer parce que du coup. Produit. Du coup, c'est ta gueule. Je suis en train de faire ma vidéo. C'est vraiment dégueulasse, je suis vraiment désolé. C'est quoi un tota cool? Pour commencer, un tota cool. Ah, placement de produit. De toute façon, on le voit pas. 101. Placement de produit. Arrête tes conneries, merde. Putain, je rate le tota cool en plus. C'est pas de ma faute. Je fais n'importe quoi. C'est ta faute. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez. Nickel. Nickel. Bon, du coup, bah, si des fois il y a des choses intéressantes, on vous reprendra. De toute façon, au pire, je pense que je vous reprendrai au moment du Pokéstop où on va poser le. Eh ben, ferme ta gueule, putain! Bon, je retrouve tout à l'heure. Putain, on voit plus rien là-dedans. Salamèche. Voilà, on a même pas fini qu'il y a un petit salamèche qui spawn. Allez! Nickel! Allez! 155. Moi, je vais y aller. Je vais lui donner une petite baie. C'est bon, je vais donner une petite baie. Merde, voilà, Super Bowl. Il est là. Ok, ça s'est raté. 319. C'est chaud quand même. Hein. D'une main l'autre, d'une main l'appareil photo, de l'autre le portable. La lampe. Putain, on voit plus rien quoi. C'est un truc là, on voit plus rien. Bah oui. Oh putain, attends, te barre pas, te barre pas, te barre pas. Va donner un petit. Là, tu vas l'avoir. Ouais, j'ai envie de te dire, ouais, c'est pareil, on va à l'hyper bowl, hein, c'est un salamèche. Il s'est échappé avec l'hyper bowl, le mien. Putain! Ouais, attention! C'était à l'hyper. Là, vous avez j'ai l'hyper bowl. Attention, attention. C'est bon, celui-là. C'est bon. Ah, putain, ça fait du bien. Nickel! Tu salamèches? Ouais, j'aime bien le moment, on se rend franchement. On va les gars. Ouais, t'es plus loin? Le Pikachu. Bon, je leur transfère parce que du coup, 155, c'est nul. Et il y a un petit type océan dans le coin. Ouais, il doit être donc plus si on peut aller le choper, je l'ai toujours pas. Donc on va aller voir ça. Et mon encens pour finir, je prends un petit magnéti. Moi, bon, c'était de la merde mon encens. J'ai eu 15 sablettes, sinon c'était deux psychocoques, deux ratata. Et sinon le sablette, je vais pouvoir continuer à améliorer mon sablé rouge. Je ferai ça tout à l'heure quand on sera posé. Je vous ferai voir ça. Nickel. Petit magnéti en plus. Ça fait plaisir. On a vu aussi y a un petit gravalanche qui vient de spawn dans le coin. Donc on va essayer de choper tout ça. On vous tient au courant. Bon alors, l'hypocéan, je viens tout juste de prendre le l'hypocéan. Attention, 773. Peut-être avoir quelque chose de potable. Je suis désolé si vraiment la mise au point est dégueulasse. C'est pas tu ouf. Tu filmes, Kéké? Oui, je filme. Regardez, comment on appelle ça être dégoûté? 909 et t'as plus que des Pokéballs, c'est j'ai ça? J'ai qu'une seule Pokéball. Qu'une seule Pokéball. Mon pauvre. Alors du coup, je le prends pas. Attends, parce que moi, je vais essayer de le prendre. Alors, possible. Attends, c'est chaud. Attendez. Wow. Je fais n'importe quoi. Les gars, aidez-moi. Tiens, moi l'appareil photo. Voilà. Voilà. Donc voilà, avec deux mains, ça ira plus. Excuse-moi, j'ai pas cadré. Là, nickel. Il a pas cadré. Oh. Que regarde. Qu'est-ce que t'as? Allez, c'est barré. Non, allez, c'est la deuxième fois. Vas-y, retiens. Je passe. Retiens. Retiens, non, c'est moi qui le chope. Hop. Allez, attendez. Il fait des lifts, il fait des lifts. Ah, je fais des lifts, moi, je suis un taré. C'est un gros thug. Je suis un thug. Il y a un gravalanche. Gravalanche est là-bas. Nickel, oui. J'ai l'océan. Eh ben maintenant, bah, bon, on va chercher gravalanche. On va essayer de pas trop de. Regardez où ce qu'on marche parce que, non, de là, il y a la mer juste à côté. Et il y a eu gravalanche à la Pokéball. Et aussi, il y a un tignon dans le coin aussi. C'est assez incroyable les spawns qu'il y a ici. C'est ouf. La stabilisation ne doit pas être ouf. Je fais de mon mieux. Petit gravalanche à côté d'un Magikarp. Nickel. 543. On va y aller à l'Hyper Bowl aussi. 115. Hop, tu peux faire pareil que s'il te plaît Croc. Notre assistant Assistant Croc. Assistant Croc. Attention. Hop, nickel, merci. Bon, je l'ai. Allez, 1, 2 et 3. Et 3, c'est bon. Ça c'est nickel, moi ça j'en avais déjà un gravalanche, je pense que vous l'avez vu parce qu'il était pas en nombre.
Moi du crabe. Nickel, nickel. Bon, je verrai ça s'il est bon plus tard. On va sur le Magikarp tant qu'on peut. Alors je sais absolument pas où ce qu'il est le tignon, on va essayer de marcher. Ouais, vous savez quoi, le Magikarp il me fait chier. Voilà, donc on va essayer de voir s'il y a le tignon quelque part. Je l'ai pas. Donc, ça y est, on a le néoleur, il y a eu qu'un Magikarp. Comme je vous ai dit, je vais vous faire voir un peu. Attendez, hop, on va passer par CP. Hop, mon sablero, je vais pouvoir continuer de l'évoluer un peu. Regardez, il est 3002. On va le recharger encore. Vu que j'ai mis mon sablette. Et attention, il est 1327 maintenant. Et je peux plus encore parce qu'il demande 4 bonbons. Mise au point, s'il te plaît. 4 bonbons. Et puis, voilà, j'en ai que 3. Donc, du coup, c'est la merde. Niveau du joueur est trop bas. Mais en plus, je peux plus le recharger. Faut que je passe au niveau 26 pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Voilà, tant pis. Bah, si des fois, il y a des bons trucs. Qui spawn dans le leurre, bah je vais refaire voir ça, puis on verra ça après. Ah mon pote, il fait noir et puis on se fout le flash dans la gueule pour que vous nous voyez au moins. C'est ça, c'est un truc de ouf. Bon, mais du coup, on va se quitter là-dessus. Le leurre, il n'y a pas grand chose qu'à donner. Le tignon, j'ai oublié de le dire, mais on n'a pas réussi à le choper. Je suis pas malade. Hein, Et là, il est quelle heure là? Il est 22h. 22h15. Il fait super noir, ça qui est chiant en fait. Et l'automne, ça y est, l'été c'est fini. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. C'était plus un petit vlog qu'une chasse aux Pokémon. Surtout que lui, il était pas là la plupart du temps. Aïe. Si, donc, j'étais là à la fin. À la fin. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. C'était Chorus 85. I am the one. Pour plaisir, tu vas faire. Allez, salut. Yeah. Salut. I'm here for the money. For you.